イデアクエストの CEO の坂本と申します。本日は大変ありがとうございます。 Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Monsieur Sakamoto. Je suis le président de la société イデアクエスト et je viens directement du Japon pour vous voir. こちらの絵にありますように、Donc, comme vous pouvez le voir sur ces images, nous avons créé une technologie qui permet de faire une veille de patients, une veille qui est sans contact et qui n'est pas donc du tout intrusive, qui permet aussi de mesurer les moindres détails de la respiration ainsi que des mouvements de la gorge. Ici, il y a une caméra, il y a un laser infrarouge qui envoie 2000 rayons directement sur le patient, donc infrarouge, donc sans effet notoire. Et de plus, des informations que vont nous donner les capteurs seront assez précises et vraiment détaillées pour l'équipe médicale. Là, vous avez une alarme qui commence à s'effectuer parce que la personne commence à faire des mouvements qui peuvent être considérés comme dangereux. Et là, comme les mouvements sont dangereux, ils demandent une réaction immédiate, donc l'alarme rouge se déclenche. Donc à savoir que ceci, c'est ce que vous avez la possibilité de voir sur votre tablette directement. Et c'est la personne en charge donc, du patient qui aura ces données disponibles. Les prévisions pour cette technologie, ce serait tout d'abord donc, de viser donc, les hôpitaux et les cliniques, également les maisons de retraite. Mais surtout les particuliers, parce que les particuliers, dans le soin à domicile qui va se développer, est un pan à ne pas oublier. Nous sommes toujours en recherche de financement. Nous espérons aller le plus rapidement possible, pousser vers une expansion mondiale de ce produit qui est sûrement révolutionnaire. Nous sommes aujourd'hui devant vous parce que nous pensons que c'est par la Normandie que nous devons commencer notre expansion hors de l'Asie.